Bonjour à tous, ici LT Adeco avec de grandes nouvelles pour Pokémon Go. En effet, une mise à jour majeure nous indique des changements importants concernant les niveaux dans le jeu, vraiment très intéressant. On se rappelle qu'en ce moment, le niveau max à atteindre est le niveau 40. Mais avec cette mise à jour, nous pourrons aller jusqu'au niveau 50. Mais il y aura des conditions à respecter pour se rendre jusqu'au fameux niveau 50, avec des tâches et des truc requis afin de pouvoir passer d'un palier à un autre. On va regarder ça dans le détail ensemble. Pour commencer, on va regarder les modifications qui ont déjà été apportées au jeu. En ce moment, depuis le 18 novembre, aller jusqu'au 31 décembre, le nombre de points d'expérience sera doublé par capture, ce qui permettra à tous les joueurs qui sont de bon niveau de pouvoir gravir les échelons pour se rapprocher le plus possible du niveau 40 pour pouvoir enfin pouvoir participer à cette fameuse mise à jour majeure qui nous permettra d'atteindre le fameux niveau 50. Il y aura également d'autres choses qui seront mises en œuvre pour permettre aux joueurs qui ne sont pas encore rendus au niveau 40 de pouvoir s'y rendre le plus facilement possible. En effet, à partir du 30 novembre, Niantic va augmenter la quantité des points d'expérience qu'on l'a peut obtenir en capture, en éclosion, dans nos raids. Ça va générer un maximum de points d'expérience pour permettre à tous les gens de pouvoir graver plus rapidement les échelons pour se rendre jusqu'au niveau 40. Toutes ces modifications au niveau des points d'expérience a pour but de donner une chance égale à tout le monde pour atteindre le fameux niveau 40, car il y aura un bonus pour tous ceux qui seront niveau 40 avant la date du 31 décembre 21h59 heure locale. La récompense en question sera l'obtention du titre de dresseur héritier de niveau 40 ainsi qu'une étude ponctuelle permettant d'obtenir un chapeau de Léviator pour notre avatar. Il y aura également une médaille qui s'ajoutera à notre pavillon de médailles, une médaille intitulée héritière niveau 40. Très intéressant comme récompense pour tous ceux qui arriveront à se rendre au niveau 40 avant le fameux 31 décembre. Passons maintenant au point le plus intéressant. Il s'agit des niveaux 41 à 50. Les exigences que nous allons devoir rencontrer pour gravir chacun des échelons dans le détail. Tous ceux qui sont présentement de niveau 40 et qui ont eu la chance de ramasser de l'expérience supplémentaire, cette expérience sera nécessaire pour gravir les échelons. Alors, c'est de l'expérience qui est vraiment très utile pour tous ceux qui ont réussi à dépasser de beaucoup leur point d'expérience, dépassant le niveau 40, bien sûr. Mais il y aura des tâches connexes pour gravir chacun des échelons de 41 jusqu'à 50, et on va regarder ça ensemble dans le détail. Pour commencer, le niveau 41. Ce qui nous attend au niveau des exigences et des tâches pour le niveau 41, nous devrons avoir accumulé 6 millions de points d'expérience. C'est la première exigence. Ensuite, nous devrons recharger un Pokémon légendaire 20 fois. Ensuite, nous devrons gagner 30 raids, ainsi que d'attraper 200 Pokémon en une journée. Et pour finir, nous devrons posséder au moins 5 médailles d'or dans notre inventaire de dresseur. Les récompenses, une fois toutes ces tâches terminées et ces exigences atteintes, nous aurons comme récompense pour le niveau 41, 20 Ultra Ball, 20 Max Potion, 20 Rappel Max, 20 Biframbi, un incubateur, une passe premium, ainsi qu'un bonbon XL. Les fameux bonbons XL. Les bonbons XL sont vraiment très importants car ces bonbons XL nous permettront de pouvoir faire monter nos Pokémon qui sont présentement dans le tapis au niveau 40 et les faire gravir
les échelons au niveau de leur point de combat, progressant de 41, 42 jusqu'au niveau 50. Alors, utilisez vos bonbons XL de façon très intelligente pour des Pokémon qui vous seront très utiles de faire gravir ces fameux échelons pour les rendre encore plus forts qu'ils sont déjà. Alors, vous devrez utiliser vos bonbons XL de façon très précise sur des Pokémon vraiment importants dans vos équipes de combat Pokémon. Passons maintenant au niveau 42, les exigences ainsi que les tâches reliées à ce fameux niveau. Pour commencer, 7,5 millions de points d'expérience seront nécessaires pour ce fameux niveau 42. Ensuite, vous devrez faire évoluer Evoli sous toutes ses formes. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, préparez-vous dès maintenant pour vos évolutions d'Evoli pour être fin prêt pour le fameux niveau 42. Ensuite, faire 15 évolutions avec items. Alors, gardez vos items pour ces 15 évolutions, ce sera vraiment très pertinent pour ce niveau 42. Ensuite, faire 3 excellents lancers. Ça devrait être assez facile pour la plupart des joueurs. Ensuite, utiliser 200 baies en capturant des Pokémon. Un petit peu plus long comme processus, mais très facile à réaliser également. Les récompenses maintenant du niveau 42 sont les suivantes. 20 Ultra Balles, 20 Max Potions, 20 Rappel Max, 20 Bénanab, un incubateur, une passe premium ainsi qu'un bonbon XL. Très intéressant comme récompense pour ce fameux niveau 42. Passons maintenant au niveau 43, les exigences ainsi que les tâches reliées pour ce fameux niveau 43. Pour commencer, les points d'expérience requis. 9 millions en points d'expérience pour ce fameux niveau 43. Pour ce qui est des tâches, on devrait accumuler 100 000 poussières d'étoiles pour réussir à franchir notre palier de niveau 43. Ensuite, nous devrons utiliser 200 attaques chargées super effectives en combat. Ensuite, nous devrons attraper 5 Pokémon légendaires pour finir et pouvoir franchir ce fameux palier qui est le niveau 43. Une fois franchi, nous aurons comme récompense les récompenses suivantes. 20 Ultra Balles, 20 Max Potions, 20 Rappel Max, 20 Bénanana argenté, ainsi que un incubateur, une passe premium, un bonbon XL, ainsi que une pause avatar, cette fois-ci pour le niveau 43. Passons maintenant au niveau 44, les exigences ainsi que les tâches reliées pour ce fameux niveau. Pour les points d'expérience, vous devrez avoir accumulé 11 millions de points d'expérience pour passer ce niveau 44. Il y aura également une tâche reliée à un défi de combat, qui n'est pas encore déterminé, mais qui sera probablement relevé soit au PVP ou encore les combats en raid. Les récompenses reliées à ce fameux niveau 44 sont les suivantes. 20 Ultra Balles, 20 Max Potions, 20 Rappel Max, 20 Biframbi, un incubateur, une passe premium et bien sûr un bonbon XL. Ça fait le tour du niveau 44. Passons au niveau 45 maintenant, les exigences ainsi que les tâches reliées à ce fameux niveau 45. Pour commencer, les exigences au niveau des points d'expérience. Vous devrez avoir accumulé 13 millions de points d'expérience pour ce niveau 45. Ensuite, il y aura un défi de combat Team Rocket. C'est non déterminé les détails, mais on peut déjà deviner ce qui nous attend. Nous devrons probablement affronter plein de Team Rocket au niveau des attaques en PVP dans la nature. Alors, on va devoir se préparer à faire de nombreux combats pour ce fameux palier niveau 45. Les récompenses qui sont rattachées sont les suivantes. 40 Ultra Balles, 40 Rappel Max, 1 attaque CT immédiate d'élite, ainsi que 2 bonbons XL, 2 encens, 2 œufs chance, ainsi que 1 super incubateur, 2 moduleurs, ainsi que 1 item d'avatar. C'est ce qui nous attend comme récompense pour le fameux niveau 45. Ensuite, pour ce qui est du niveau 46, les exigences ainsi que les tâches reliées à ce fameux niveau. Pour commencer, l'exigence au niveau des points d'expérience. On devrait avoir accumulé 15,5 millions de points d'expérience. Avec les tâches suivantes, on devra compléter 100 recherches de terrain, ainsi que de faire une photo de Pokémon par jour durant 7 journées consécutives. Ensuite, nous devrons faire 50 excellents lancers. Vous pouvez aller voir une de mes vidéos qui montre de quelle façon réussir
à coup sûr d'excellents lancers. Ça vous aidera grandement pour cette fameuse mission, car 50 excellents lancers, c'est vraiment beaucoup d'excellents lancers à faire pour une quête. Mais pour avoir un niveau 46, ça vaut la peine. C'est la dernière tâche que vous devrez faire pour ce fameux niveau 46. Maintenant, les récompenses rattachées au niveau 46 sont les suivantes. 30 ultra balles, 25 max potions, 20 rappel max, 25 biframbi, un incubateur, une passe premium ainsi qu'un bonbon Excel. Passons maintenant au niveau 47 au niveau des exigences ainsi que les tâches reliées à ce fameux niveau. Pour commencer, les points d'expérience. Vous devrez avoir accumulé 18 millions de points d'expérience requis pour ce fameux niveau 47. Ensuite, il y aura un défi de combat raid qui sera rattaché à ce fameux niveau 47. Donc probablement que nous devrons faire un nombre X de raids pour pouvoir franchir ce fameux palier du niveau 47. Les récompenses qui y sont rattachées sont les suivantes. 30 ultra balles, 25 max potions, 20 rappel max, 25 benanab, un incubateur, une prose premium ainsi qu'un bonbon Excel et une pause avatar. C'est ce qui fait le tour des récompenses pour le niveau 47. Passons maintenant au niveau 48, les exigences ainsi que les tâches reliées pour ce fameux niveau. Pour commencer, les points d'expérience, vraiment très importants. Vous devrez avoir accumulé 21 millions de points d'expérience pour ce fameux niveau 48. Ensuite, les tâches reliées. Vous devrez marcher un certain nombre de kilomètres avec votre copain Pokémon. Donc, très important, on le sait, marcher avec votre copain, très intéressant comme quête. Ensuite, vous aurez à accumuler un nombre X de souvenirs en récompense. Donc, le nombre de souvenirs récompenses que vous devrez accumuler est non déterminé, mais ça risque d'être un certain nombre vraiment assez élevé, car il s'agit quand même du niveau 48. Les récompenses qui y seront rattachées sont les suivantes. Vous aurez 30 ultra balles, 25 max potions, 20 rappel max, 25 benanana, un incubateur, une passe premium ainsi qu'un bonbon Excel. Ce sont les récompenses du fameux niveau 48. Pour finir les deux derniers paliers, le niveau 49 et 50, commençons par le niveau 49 au niveau des exigences et des tâches reliées. Commençons par les points d'expérience. Vous devrez avoir atteint un nombre faramineux de 25 millions de points d'expérience requis pour ce palier niveau 49. Ensuite, au niveau des tâches, vous devrez envoyer un nombre X de cadeaux à d'autres dresseurs. On ne sait pas c'est quoi le nombre déterminé, mais ça risque d'être un nombre très élevé. Il s'agit quand même du niveau 49. Ensuite, nous devrons faire l'acquisition de X Pokémon chanceux lors d'échanges. Le nombre de Pokémon est toutefois indéterminé. Mais préparez-vous pour faire un maximum d'échanges pour ce fameux niveau 49. Les récompenses maintenant qui y sont rattachées sont les suivantes. 30 ultra balles, 25 max potions, 20 rappel max, 25 benanana, un incubateur, une passe premium, un bonbon Candy XL, un item d'avatar. Ce sont les récompenses attendues pour le fameux niveau 49. Passons enfin au niveau le plus élevé, le niveau 50, le niveau à atteindre pour tous les dresseurs, vraiment très intéressant. Regardons les exigences et les tâches reliées à ce fameux dernier palier, le niveau 50. Pour commencer, au niveau des points d'expérience, vous devrez avoir atteint le nombre faramineux de 30 millions en points d'expérience pour ce fameux palier. Ensuite, au niveau des tâches, vous devrez faire un nombre indéterminé d'excellents lancers. Ça risque, à mon avis, d'être dans les 100 excellents lancers, ce qui risque d'être vraiment très difficile. Je vous recommande encore une fois d'aller voir mon vidéo sur la façon à coup sûr d'obtenir d'excellents lancers. Ce sera vraiment très pratique pour obtenir ce fameux niveau 50. Ensuite, vous devrez attraper un nombre indéterminé de Pokémon légendaires. Ça aussi, ça risque d'être assez long, surtout si le chiffre au niveau du nombre de Pokémon légendaires est élevé. Donc, préparez-vous pour des combats légendaires pour accumuler ce fameux niveau 50. Ensuite, vous devrez battre les leaders de la Team Rocket avec des Pokémon ayant un CP inférieur à 1500. C'est une étape vraiment, à mon avis, qui sera vraiment très difficile pour plusieurs joueurs. Car pour réussir à vaincre des leaders de la Team Rocket avec des Pokémon qui sont inférieurs à 1500,
ça devra être des Pokémon vraiment très forts. Alors ça vous donnera l'occasion de vous surpasser au niveau de vos équipes de PVP face à ces fameux leaders de la Team Rocket. Vous devrez organiser vos équipes en conséquence pour les vaincre les plus efficacement possible, car vous aurez une réglementation qui vous obligera à utiliser des Pokémon qui ont un maximum de 1500 CP, ce qui est vraiment très exigeant pour ce genre de combat. Ensuite, ce sera terminé. Vous aurez enfin obtenu votre fameux niveau 50. Les récompenses qui sont rattachées sont les suivantes. Vous aurez 50 Ultra Balles, 50 Max Potions, une CT chargée d'élite, 2 bonbons XL, 5 encens, 5 œufs chance, 5 super incubateurs, 5 modulaires et un item d'avatar. C'est les récompenses qui nous attendent pour le fameux niveau final, le niveau 50. J'ai vraiment hâte de pouvoir franchir chacun de ces paliers. Ce sera vraiment très intéressant comme système de faire que ce ne soit pas uniquement via les points d'expérience, mais via des tâches à accomplir pour franchir chacun des niveaux, ce qui est vraiment très intéressant à mon avis. En conclusion, j'espère que vous aimerez ce changement opéré par Niantic pour Pokémon Go au niveau des changements de niveau de niveau 41 jusqu'à 50. Que ce ne soit pas juste les points d'expérience qui soient déterminants de nos changements de niveau, mais bien sûr des tâches rattachées à ces niveaux directement. Vraiment très intéressant à mon avis. Vous pouvez me laisser savoir ce que vous pensez de ces modifications dans le bas. Ça me fera plaisir de lire vos commentaires sur cette modification dans Pokémon Go. D'ici là, j'espère que vous aurez du plaisir dans Pokémon Go. Essayez de profiter un maximum du double point d'expérience en ce moment et de toutes les modifications que Niantic a appliquées au niveau de la façon d'accumuler nos fameux points d'expérience. C'est vraiment plus facile en ce moment et je recommande à tous les joueurs de bon niveau de vraiment profiter de ces points d'expérience qui nous sont donnés vraiment très rapidement pour aider les joueurs de bon niveau à se rendre le plus rapidement, le plus efficacement possible au niveau 40 afin de rattraper tous les joueurs qui y sont depuis longtemps à ce fameux niveau 40. Pour tous les joueurs de niveau 40, vous allez avoir la chance de pouvoir utiliser tous vos points d'expérience supplémentaires que vous avez accumulés et vous servir de votre expérience de jeu pour relever le défi de toutes les tâches qui nous attendent entre le niveau 41 et, bien sûr, atteindre le sommet du niveau 50. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Vous pouvez me laisser vos commentaires dans le bas, ça me fera plaisir de les lire. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon icône dans le coin en bas à droite. Merci encore à tous de votre écoute et à la prochaine pour une autre vidéo.